Coucou, on se retrouve page 65 du fichier pour travailler sur des révisions. On commence par le son Q. Ici, à vous d'écrire les mots bien au-dessous des images. Je vais vous montrer la liste puisqu'on n'a pas les étiquettes, hein, elles sont à l'école malheureusement. Donc, on va écrire les bons mots sous les bons dessins. Vous êtes prêts? Voilà la liste de mots. Bien sûr, tu me connais, il faut toujours que je mette des pièges. Donc, attention, certains mots n'ont pas d'image. On lit ensemble. Un karaoké. Un rhinocéros. Un koala. Skier. Un boulanger. Un kangourou, un kart, comme dans Mario Kart, du ketchup, un mot anglais, ketchup, du karaté, une vache. Bien sûr, tu m'y poses tranquillement pour pouvoir faire ton exercice. Pour t'aider, lui, c'est une vache. Ou un rhinocéros, je sais jamais. Ah non, mince, un koala. Ici, il est en train de skier. Quand on chante dans un micro, on fait du karaoké. Cette jeune fille fait du karaté. Elle a mis son joli kimono. Ici, ce drôle d'animal avec une poche et qui saute, c'est un kangourou. Les petites voitures pour faire des circuits, un kart, et la sauce tomate sucrée qu'on adore mettre avec nos frites, du ketchup. Tu auras remarqué, tous ces mots s'écrivent avec la lettre K. Ce sont tous des mots étrangers. Eh oui. À l'exercice 2, on s'intéresse maintenant à différentes écritures. On avait vu l'écriture du 1 à IN, du 1 EIN. Et là, on a mélangé les lettres. Ian. Et celui-là, on l'a déjà vu. Ian. Donc, chaque écriture a une couleur. Si jamais tu n'as pas de couleur à la maison, tu peux simplement entourer les lettres que tu as reconnues. Déjà, ça sera très bien. Si tu as les bonnes couleurs ou des couleurs qui ressemble, tu peux aussi changer les couleurs, pourquoi pas celui-là l'entourer en orange, celui-là en bleu, hein, si te manque une couleur, c'est pas grave, tu remets une autre couleur autour pour qu'on comprenne. Donc bien sûr, le travail, ça va être de ne pas tomber dans les pièges, de bien faire attention à la place des lettres, parce que maintenant, à la fin du CP, tu as compris que les lettres avaient une place et que c'est ça qui fait qu'on reconnaît leur son. Un A suivi d'un I et d'un N, ça fait un. Mais si le I est en premier, ça fait I, en, ion. Le E, I, N, un. Mais si le I est en premier, ien. Attention, piège ici, c'est pas en, c'est ien. Donc on va chercher piano. Ah oui, d'ailleurs, ici, ça peut faire aussi IAN, s'il y a d'autres voyelles. On commence bien. Piano, chien, magicien, plein, grain, triangle, ceinture. Ah, c'est quoi déjà le bébé cheval? Poulain. Donc, à toi de repérer l'écriture du son, de le lire et de le relier. On continue. Cette fois-ci, on s'intéresse à deux sons qui se ressemblent. A, qu'on connaît par cœur, et wa. On entend un petit peu du 1 dedans, mais on a un w en premier. Wa. Donc attention au piège. Poisson. Alors,
poisson. Est-ce que j'entends juste un ou est-ce que j'entends oua? J'essaye avec juste un. Passons. Passons. Non. Pouaouaouaçon. Quand j'ai trouvé, j'essaye d'écrire tout seul le mot. Poisson. Vous avez de temps en temps hein, un indice. Ici, on n'oublie pas que poisson, il faut deux S. Lavabo. Louaouabo. Bon, rien que ça, c'est difficile. Lavabo. Mouchoir. Et comme c'est un mouchoir, pas besoin de E à la fin. Mouchoir. Mouchard. Mouchoir. Et au-dessous. Fromage. Framboise. Voiture. Ça va? L'exercice 2 va avec le texte du H. Donc, on le laisse pour l'instant. J'espère que tout s'est bien passé. À tout bientôt!